Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Edouard Laventure Ernest Moloscott pour les grands dossiers de l'actualité. Sur la table de contrôle, c'est bien Charmant Gelin, assisté par Christopher Gelin, en collaboration avec notre collaborateur Abner Gelin. Salutations spéciales au silencieux Bright. Et nous bien contents, nous pourrons entrer dans l'information internationale pour auditeurs et téléspectateurs qui peuvent suivre les grands dossiers de l'actualité. N'a pas rappelé à auditeurs, virus Corona en Chine, presque dans le moment actuel, n'a pas lié à 2000 personnes qui mourent. Presque 2000 personnes qui mourent. Sans compter des milliers de monde qui sont infectés. Président pays chinois lui déclarait que tension dure et c'est chaque jour augmentation a fait. Il dit que il y a travail pour ouais dans deux mois si on capable joindre une solution avec fléau qui relaie virus corona. Il y a plusieurs pays qui ont même cap fait test. Il y a qui dit que c'est dans bête que le virus a sorti. Il y a qui dit que c'est dans l'air que vous prenez. Il y a des gens qui dit que vous ne pas comprendre. Est-ce que son bagage qui dégage qui cause que le virus a formé, capé, tué les gens comme ça? Vous parlez de Ebola en Afrique. Il n'a pas dit que le gouvernement africain, spécialement dans Côte d'Ivoire, ils ont annoncé que ils ont pas d'inquiétude parce que ils ont été connus, ils ont des représentants qui ont été pensés qui étaient infectés parce qu'ils ont pile là-dedans qui étaient allés la Chine. Eh bien, grâce à Dieu, ils là-dedans ils ont pas infecté. Ce sont des Noirs. Ils ont annoncé que Noirs ça ils ont très puissants et c'est ça qui cause que virus ça pas attaqué yo. C'est comme ça autorité dans Côte d'Ivoire fait déclaration. Mais il y a plusieurs autres pays en Afrique qui ont même qui annoncé que ils ont pas vraiment d'inquiétude. Mais il y a un pilote étranger qui a tombé de virus ça. Donc on est en France, il y a un adulte de 80 ans qui tombait. Sans compter l'autre monde qui a 60-70 ans, qui n'est pas qu'à Québec et qui jodi à là, qui mourit. Yo évalué à plus que 2000 personnes qui mourit là, dans le virus là, et que la Chine arrive à un point qui est très inquiétant. Jeudi à, nous connaissons qu'à partir de demain, après le gros événement, c'est pour yo capable, pas bon ici, aux États-Unis, dans Nevada, même gens qui ont été faits dans New Hampshire, côté que yo pral gade qui est cap gagne bénédiction. Mais yon, un candidat à la présidence qui est très puissant, c'est Bernie Sanders, qui annonçait lui-même le travail pour mettre président Donald Trump à out. Mais magistrat New York là, qui candidat à la présidence là, de côté peuple américain, spécialement parti démocrate là, il a retrouvé avec magistrat une possibilité pour que un miracle qui fait, qui t'a retiré président américain Donald Trump pour le taper un deuxième mandat. Non point ça. N'a dit que gagne pile discussion qu'a fait et nous-mêmes nous assurer auditeurs et téléspectateurs qu'a suivre les grands dossiers de l'actualité pour nous capables continuer informer. N'a tombé dans immigration pas bon ici aux États-Unis d'Amérique. On tombé dans Californie. N'a dit dans Californie a gagné en pression parce que gagne plusieurs polices capté que moun yo spécialement des moun qui pa gen papier. C'est pour cela nous mandé yo
n'importe nationalité qu'il y a pour prendre des précautions. Parce que sous zone Californie, eh bien, police rangers, il y a checké bossio, il y a monté bossio pour checker et il dit que il n'y a pas de droit pour faire, mais il fait, eh bien, nous demander à Mounio pour prendre des précautions spécialement sous zone Californie. Nous pas dit l'autre state, yo. Mais de côté Californie, il y a un yeux qui voyé et immigration focus sous Californie. Et son dossier que nous avons suivi pour auditeurs et téléspectateurs, les grands dossiers de l'actualité. Nous avons tombé dans l'autre information qui fait actualité. Après président Donald Trump, on est tombé Kouniala, côté que le président vénézuélien, M. Nicolas Maduro, fait qu'on est que il n'est pas reconnaître Juan Guaido comme un président numéro 2 pays Venezuela. Il dit, si élément ça, pendant que lui-même l'a fait discours et adressé à la nation, que Juan Guaido t'apparaît pour persister, le président Nicolas Maduro dit, l'affaire Juan Guaido prend dans qu'est-ce que le fréquent. Dans ce sens-là, Juan Guaido déclaré son fierté et forme dit président Donald Trump merci parce que légalement, moi, c'est président Venezuela. Président Nicolas Maduro dit si c'était vrai, eh bien, sous-président, vini dans le palais, créer un gouvernement pauvre, et puis laisser à ma propre président. N'appelle dit à l'auditeur, il y a un pile créatif pour assassinat Juan Guaido, président américain, M. Donald Trump. Eh bien, c'est lui-même qui est responsable sécurité Juan Guaido. Côté que dans le moment où on a parlé, le président Donald Trump voyait une équipe spécialiste américain pour sécuriser le président Juan Guaido. Et le président, il a tout moyen de sécurité à président Juan Guaido. Machine blindée, Yobali Kaili, qui sécurisé par des soldats américains, accompagné avec des éléments sincères à Juan Guaido. Président américain, lui annoncé et mandé à Juan Guaido, l'élapsoti, il faut que lui apporte les États-Unis. Sécurité, c'est les États-Unis responsables. Ça veut dire que Juan Guaido sentit que son président tout bon vrai parce que il a la bénédiction du président américain, M. Donald Trump. N'a pas continué pour auditeurs et téléspectateurs qui peuvent suivre les grands dossiers d'actualité. Gagner des informations qui ont fait un pile bruit. Dans le moment actuel, n'a pas lié là. Une déclaration faite par le président Bachar el-Assad de la Syrie. L'y déclaré. M'a dit à président turc là, moi prêt pour m'entrer dans l'affrontement à vous. Parce que auprès des terroristes, cap circuler dans la zone et vin bombe panique. Eh bien, quand il y a là, m'pral prouvo que m'pas prêté crampé, m'pral entrer dans le bateau avant. De côté autorité libyo, yo dit à président Bachar el-Assad,
dès que tu as besoin de support, la joigne. Pendant ça, le président russe, M. Vladimir Poutine, voyait un ultimatum à président turc là, pour le dire. Nous dans la même région. Et si nous prenons bataille, nous ces deux mêmes nations, eh bien, nous tous les deux prenons perdu. Moi-même, moi là pour mettre la paix. Et si nous trouvons que nous avons un problème de division, m'a gagné pour me retrancher. Pour d'autre ça, n'a pas rappelé que son bon pal en pile qu'a fait là, parce que coup de zame continue à tirer entre la Syrie et Turquie. Et autorité turque dit au pape baisser les bras parce que c'est au gain contrôle là. Yo pape quitter Bachar el-Assad prend contrôle région. Pas de temps, eh bien presque chaque jour, il y a peut-être un pile coup de zame qui a tiré. En tombé en Irak. Du côté Irak, eh bien, toujours des coups de zame qui a tiré là. Peuple en Irak l'a mandé. Démission gouvernement qui remplace là. Il dit que ça qu'a fait yo pas normal, yo pas qu'a accepté, il a continué à manifester. Gen plus que 500 moun qui perdu la vie dans mois que se trivé là par balle et moun se tiré sur yo et moun yo dit que yo pas de croire ou t'après mourir comme ça. L'autre moun, l'autre parent yo cap déclaré, le regarde yo parent yo à terre côté que autorité irakienne au fusillé. Du côté Iran, il a fêté l'indépendance. Le président irakien, M. Ayatollah, a déclaré « M'a gagné pour un bon café en main avec le président américain Donald Trump. » Pendant ce temps, le président américain a déclaré « Si par hasard, yon cheveu dans la tête yon américain, arraché, eh bien, Iran, li capable de jouer une disparition dans la map là. C'est pour montrer que la déclaration du président américain Donald Trump, son déclaration qui est si forte, et le président Donald Trump dit, eh bien, li pas de pardon, li son président, et li pas prêt à l'IPI. Et le président déclaré, dans l'élection qu'il a fait là, si démocratio, pape Kakébil, la déclaration du président Donald Trump. Nous sur HPM, Asian Public Media. Sur la table de contrôle, c'est bien Charmant Gelin, assisté par Christopher Gelin, accompagné de notre collaborateur Abner Gelin et le sage Bryant. Encore une fois, bonsoir. Et dans quelques instants, nous pourrons rentrer dans l'actualité locale nous, en Haïti, côté que nous avons gagné Réginald Edouard pour plus d'informations. Restez branchés et à tout à l'heure.